Good morgen, Aleiden les sucres aujourd'hui, le Lunishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claudisrak Ben Fortune Mazal, et Robert Baruch Ben Jamil Taraba Cohen. Si vous souhaitez, vous aussi, des une prochaine étude de Michel, contactez la sécurité éternelle. Nous étudions Maserhet Beitza, Perek Aleph, Mishnah Gemel. Bet Shamay Omrim, En Molichin et Asulam, Mishovach le Shovach, Aval Matehum, Mechalon et Chalon, ou Bet Hillel Matirin. Bet Shamay Omrim, Loitol, Elaim Ken Ninea Mi Beodiom, ou Bet Hillel Omrim. Omed ou Omer, Zebazaninotel. Deux sujets dans notre Mishnah en rapport avec les lois des pigeonniers. Soit, on est dans les, bien sûr, Beitza, mais ça on parlait le Chod de Yom Tov, avec un sujet essentiel qui revient à plein d'occasions dans le Mishnayot, c'est le problème du Muktzé pendant Yom Tov. Beaucoup plus complexe que pendant Shabbat. Parce que tout d'abord, pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire plein de choses. En rapport avec le profit de manger, de se laver, selon des règles. Et du coup, on est plus confronté à manipuler des choses qu'on ne devrait pas manipuler. Du coup, le Muktzé Yom Tov, il est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire beaucoup, il a beaucoup plus d'applications. On a maintenant deux sujets en rapport avec les pigeonniers, comme on a dit. À l'époque, pour avoir de la viande fraîche, il fallait avoir de la viande fraîche, parce qu'il n'y avait pas de congélateur. Donc il fallait l'égorger le jour même, faire la shrita le jour même en général. Donc les gens faisaient la shrita Yom Tov, surtout quand ça durait deux jours de suite. Alors vous imaginez bien qu'il n'y avait vraiment pas de possibilité de faire la shrita depuis deux jours avant, il y avait quand même conservé. Donc concrètement, les gens faisaient la shrita Yom Tov. Maintenant, pour faire la shrita Yom Tov, de manière générale, on ne peut pas attraper n'importe quel animal et lui faire la shrita. Parce que l'animal lui-même, il est mukté, sauf si tu l'as désigné pour... C'est la problématique générale qui va apparaître dans quelques Mishnayot. Donc, il faut déjà les désigner. Il faut que ce soit un animal prédisposé, prévu à cet effet que tu vas lui faire la shrita pendant Yom Tov. Maintenant, un pigeonnier, ça se passe comment? C'est quelqu'un qui veut élever des pigeons. Eh bien, il va construire une sorte de grande meuble avec plein de cases, où il va prévoir que doucement, doucement, il va y avoir des pigeons sauvages qui vont venir se mettre dans les cases, faire un nid. Et du coup, on leur donne des graines, ils sont très contents de vivre là-bas. Donc, ils vivent là-bas, ils se reproduisent, et comme ça, on prend les petits, on les mange. Et les parents, on les laisse là-bas. D'accord? C'est une donnée générale. Peut-être que je continue tout de suite l'introduction, on en aura besoin pour ensuite. On a dit les parents, ils vont avoir des petits. Maintenant, les petits, ça marche par paire. D'accord? Il y a la première paire, c'est leurs aînés. Ils ont besoin de les avoir à leur proximité pour être heureux avec eux, pour jouer avec eux, s'occuper, sinon ils s'ennuient. C'est comme un couple à la maison, quand il n'y a plus les enfants à charge, ils sont plus à même à se cogner un peu. D'accord? Donc un peu la même chose, les pigeons, pour qu'ils vivent heureux, il faut leur laisser un couple d'enfants. Tandis que les autres couples, on peut les prendre et les consommer. C'est une donnée qu'on aura besoin pour la suite de la Mishnah. Pour le moment, je reviens sur le premier sujet de la Mishnah. D'abord, le pigeonnier, on a dit que c'est une sorte de meuble où on se déplace, on va prendre d'en haut à droite, en bas à gauche. Et pour pouvoir monter, le prendre sur les cases du haut, on a besoin d'une échelle. De manière générale, une échelle, ça sert à construire. Donc c'est un kli shel anarto l'issour. Premièrement. En plus de ça, même kli shel anarto l'issour, c'est un mukté, et t'as le droit de l'utiliser quand on a besoin. Mais le problème, c'est que si tu vas déplacer une échelle dans la rue, les gens, ils vont te voir, ils vont dire « Ah, t'as envie de réparer ton toit ». Donc pour ne pas que les gens vont te soupçonner de transgresser Yom Tov, tu n'auras pas le droit de déplacer ton échelle dans le Rishout Arabim. Ça, c'est une donnée admise de tout le monde. Tu ne déplaces pas ton échelle dans le Rishout Arabim. Maintenant, la problématique de notre Mishnah. Alors, je commence à traduire, après on explique. Bet Shammai Omrim, En Molechin et Asulam Mishovach le Shovach. Bet Shammai enseigne qu'on ne pourra pas transporter une échelle d'un Shovach, d'un pigeonnier, à un autre Shovach, à un autre pigeonnier. Shovach, c'est un pigeonnier. Aval Matou Mechalan Echad. La seule chose qu'on permet de faire, c'est de la pencher d'une à l'autre. Soit, je voulais aussi de préciser, il y a deux sortes d'échelles. Il y a les échelles spécifiques pour la construction, une échelle classique. Il y a les échelles des pigeonniers, elles sont plus moins lourdes, ou je ne sais pas exactement, moins, plus différentes. Maintenant, on a dit, dans le Rishout Arabim, tu ne déplaces pas une échelle de pigeonnier du tout, d'une échelle de construction, il n'en est pas question. Même une échelle de pigeonnier, alors là, ça devient plus délicat. C'est une échelle de pigeonnier, d'un côté les gens y voient, ils vont se dire, bon, une échelle de pigeonnier c'est pour prendre un pigeon pour un top. En théorie ça devrait être permis.
Sauf qu'on va malgré tout, des fois, quand tu es bloqué, tu utilises ton échelle de pigeonnier pour monter sur ton toit pour la réparer. D'où la problématique. Selon Beth Shammay, l'échelle du pigeonnier, tu ne la touches pas pendant Yom Tov. Tu la déplaces pas pendant Yom Tov. Tu la laisses là où elle est dans le pigeonnier, tu as le droit de la déplacer d'une fenêtre à l'autre, mais pas plus. Même pas de partir d'un pigeonnier au pigeonnier d'en face, parce qu'on va craindre que les gens ils vont te soupçonner. Même mieux que ça, même si maintenant tu es enfermé chez toi, tu es dans ton domaine privé, tu as un pigeonnier ici, un pigeonnier là-bas, personne ne te regarde. Mais vous savez bien qu'il y a une règle qui nous dit que tout ce qui est interdit à cause de Maritain, de peur qu'on va te soupçonner, même lorsque tu es Bechadre Chadarim, tu n'as plus le droit de le faire. Ouais. Quelqu'un, un Israélien qui se retrouve à Yom Tov Sheni en France, il n'aura pas le droit, même en cachette, de transgresser. Parce qu'il est une chose qu'il n'a pas le droit de faire devant tout le monde, il n'a pas le droit de faire même en cachette. D'accord? C'est une règle. Du coup, Beth Shammay, ils te disent, tu sais quoi? Je t'interdis de déplacer une échelle, un point c'est tout. Tu ne déplaces pas d'échelle d'un pigeonnier à l'autre. Dans le même pigeonnier, tu as le droit juste de la pencher par-ci, par-là. Là, c'est encore permis, c'est pas un vrai déplacement. Il n'y a pas lieu de soupçonner quelqu'un qui fait une chose pareille. Mais dès que il va s'agir de la prendre de l'un pour la faire passer à l'autre, ça devient interdit. Ça, c'est Beth Shammay. Donc, je reprends dans les mots. Beth Shammay nous disent, En molchin et asula mishovach le shovach, on ne pourra pas transporter une échelle d'un shovach à un shovach, même s'il s'agit d'une échelle de pigeonnier spécifique. Malgré tout, peut-être qu'on va te soupçonner et que tu vas construire quelque chose, et même si tu es enfermé chez toi, parce que tu es dans ton domaine privé, d'un pigeonnier à l'autre, ça veut dire que tu ne passes pas dans la rue. Et malgré tout, ce que tu n'as pas le droit de faire extérieurement, tu as le droit de faire même en cachette. Aval matou mechalon en malgré tout, tu as le droit de le déplacer, de la déplacer, de la pencher, les hatot penchés. Matéou mechalon en d'une fenêtre à l'autre, c'est-à-dire d'une case à l'autre, tu as le droit de le faire si tu veux. Ou Beth Hillel matirin, tandis que Beth Hillel permette. Beth Hillel les permettent, alors là c'est un peu délicat. Parce que là, dire que Beth Hillel les permettent, c'est-à-dire que Beth Hillel les permet de déplacer une échelle d'un chauvard à l'autre. Pas en passant sur la voie publique, pas question. Sur ça, Beth Hillel est d'accord, tu ne transportes pas une échelle sur la voie publique. Mais dans ton domaine privé, tu as le droit de le passer d'un chevach à l'autre. Et la Gemara l'explique. Parce que Beth Hillel, il va te dire, écoute, tu es dans ton domaine privé, il n'y a pas lieu de te soupçonner. Donc on a un problème maintenant technique, parce qu'on a la règle que, selon ce principe. Et Beth Hillel, il va nous dire que une chose que tu n'as pas le droit de faire à l'extérieur, quand tu es enfermé, tu as le droit de la faire chez toi. Or, on a dit que la règle n'est pas comme ça pour prendre de la route. Et la Gemara de répondre. Que c'est une permission spécifique que Beth Hillel ont donnée là par rapport aux pigeons, étant donné que c'est la Simchat Yom Tov de manger de la viande à Yom Tov. Et donc, du coup, on a été plus permissif. Pour une fois, on t'a dit que si personne ne te voit, on va te le permettre. En général, tout ce qui est interdit à cause de Maritain, réellement, tu n'as pas le droit de le faire. Puisque tu n'as pas le droit de le faire extérieurement, tu n'as pas le droit de le faire à l'intérieur de chez toi aussi. D'accord? Fin du premier sujet. Deuxième sujet maintenant, c'est par rapport à désigner les pigeons. Comment désigner les pigeons? Soit, d'abord, premièrement, avant Yom Tov, il faut nécessairement désigner les pigeons que je veux consommer. C'est pas je débarque le lendemain et je me dis allez, je vais me trouver un pigeon. D'abord, il y a plein de problèmes. Il y a un problème de je vais commencer à en prendre un, il y a le tâter, alors. Non, on ne veut pas que tu fasses comme ça. On veut que tu saches ce que tu viens faire, pas que tu commences à déplacer. Déplacer un animal, c'est un problème. Pour le consommer, c'est permis. Mais si c'est déplacer un animal pour le tâtonner, le repasser, reprendre un autre, revoir ce que oui, ce que non, alors là, il va y avoir plein de déplacements d'animaux inutiles. De ce fait, on veut que tu désignes. D'où la marloquette maintenant, Beth Shammay et Beth Hillel, comment faire pour désigner? Selon Beth Hillel, ça suffit de voir, celui-ci je le prends, celui-ci je ne le prends pas. Je prends ces deux-là, pour demain. D'après Beth Shammay, ça ne suffit pas, il faut partir les prendre, les soulever et regarder ce qu'ils sont assez, ce qu'ils vont plaire demain. D'accord? Et sur ça, une précision importante, mais d'abord je dis la Mishnah, je traduis. Beth Shammay omrim loitol, elaim ken niene aami beodium. Tu ne pourras pas, Beth Shammay me dit, tu ne pourras pas les prendre, de prendre le pigeon, que Elaimken ni Nea Mibodium, que si tu les as tâtés depuis la veille de Yom Tov, tu les as pris dans les mains, t'as vu qu'ils allaient te plaire. Ouais, mais sinon, tu ne peux pas juste désigner. Ou Beth Hillel Omrim, et Beth Hillel me disent non, Omed ve Omer Zerzaniotel, c'est pas la peine de le prendre dans les mains. Il suffit que tu dises celui-ci là-bas, je le prends, celui-là, je le prends là-bas, ceux qui sont dans les cases là-bas, je le prends, ça suffit, même si tu ne vas pas les tâter. De quoi il parle exactement? Alors là, c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure, au début du cours, que les parents mettent des petits au monde, eh bien, ils vont mettre donc je crois que tous les ans, ou tous les 6 mois, je ne sais pas exactement, c'est important dans la Gemara, tous les ans, on va dire, tous les ans, ils font encore de nouveau ce qu'on appelle une brecha, une nouvelle série. Ils ont besoin de garder pour leur compagnie la première série. Mais le reste, on peut leur prendre, ils ne seront pas déçus. Ils vont pas, d'accord, ils vont... Donc,
On leur laisse la Mishnah, la Gemara, elle explique. Pour toutes les autres séries, ça suffit de désigner comme ça. Demain je viens, je prends celui-là. Demain je prends celui-là. Mais par rapport à ceux qui sont de la première série, d'accord, les deux pigeons qui sont sortis la première fois, alors là, puisque les parents ont un attachement particulier, on craint que si tu vas juste les désigner, et quand tu vas venir le prendre, tu vas voir que finalement il n'est pas si charnu. Et que en plus de ça, les parents ils vont être tristes si tu leur enlèves leur petit. Ils ont besoin de leur compagnie pour continuer à pondre des œufs et être heureux. Donc du coup, on craint que tu vas regretter, que tu vas reposer le pigeon sans le prendre. Tu vas le reposer, il s'avère que tu auras déplacé le pigeon pour rien du tout pendant Yom Tov. Et là, on ne veut pas que tu arrives à cette situation. Selon Beit Shammai, il va me dire, tu sais quoi? Si tu décides de prendre la première brecha, la première série des œufs, des enfants, tu dois partir les prendre, les soulever, les tâter, être sûr que tu vas réellement les prendre. Et dans ce cas-là, tu auras le droit de venir les prendre le lendemain. Mais tant que tu ne les as pas tâtés et pris, ça ne suffira pas. Tandis que donc ceux des autres séries des petits qui mettront bas, tu pourras, si tu veux, juste les désigner par le doigt. Et Beit Hillel ne rentre pas dans cette considération. Il dit, non, écoute, si tu as désigné, c'est bon, tu vas te plier à ce que tu as décidé, tu vas aller avec. On ne craint pas que tu vas finalement changer d'avis et avoir déplacé les oiseaux pour rien, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov.